Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. La vie est une équation que nous devons résoudre pour la gagner. C'est souvent difficile pour les uns, facile pour les autres, et il y en a même qui n'ont même pas d'idée. Pour la réussir, prenez bien une minute, réfléchissez, enlevez la peur dans vous, donc coupez vos chaînes, avoir la confiance en soi et allez-y. Lorsque vous vous ennuyez dans la journée, beaucoup de personnes passent leur temps en train de regarder la télévision, de se divertir avec ses amis et de ne rien faire du tout. Et si vous faites ces activités chaque jour, vous verrez que c'est pas bon pour notre santé et ça n'aurait qu'il. Bienvenue à vous sur ma chaîne et je suis sûr que cette vidéo vous plaira parce qu'aujourd'hui vous allez découvrir comment rester toujours en bonne santé et même de gagner sa vie. Mais avant de commencer, je vous invite de liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et activez la notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. La première activité que nous devons bien contrôler, c'est la respiration. Nous devons nous assurer que nous respirons une très bonne air pour que ça ne puisse pas détruire notre appareil respiratoire. Nous devons éviter de fumer la cigarette, les chichas, les drogues, parce que ces trucs nous produisent une mort lente et ça détruit notre appareil respiratoire. Les dents deviennent jaunes, notre poumon devient noir et même les cancers. Nous devons éviter tout ce qui nuit notre respiration parce que si on nous la retire, ça sera pour nous un voyage dans un monde imaginaire. La deuxième chose que nous devons avoir, c'est les manger. Tout être vivant mange pour vivre et c'est pour cela que c'est la deuxième activité. Nous devons nous nourrir pour développer notre santé afin que les cellules puissent être actives et que nous puissions avoir de l'énergie importante pour notre survie. Ne mangez pas n'importe où, comme à côté du central nucléaire, à côté des odeurs nauséabondes et dans la poussière. Choisissez un endroit sympa, tranquille, où vous serez seul avec votre ami ou avec votre famille. Et pour ça, j'en profite pour vous donner la formule. Priez avant tout. Ne mangez pas la nourriture qui va rien vous apporter. Mais plutôt, mangez ce qui va améliorer et aider votre santé. Buvez de l'eau pour accompagner la digestion. Dites merci à celui qui les vous a offert. Prenez 30 minutes ou plus de repos pour faciliter la digestion et vous pouvez maintenant en profiter pour regarder la télévision. Le travail. Vous allez me dire que c'est pas du tout une activité, mais c'est aussi la meilleure. Il nous permet de gagner notre vie à partir de l'argent que nous avons obtenu au boulot. Lorsqu'on fait un bon travail qui rapporte de l'argent, on devient libre financièrement, on profite de la vie et on n'a pas de stress. Vous savez qu'une personne stressée, c'est quelqu'un qui ne profite pas de sa vie, il n'a pas la joie, il ne vit pas bien, il détruit ses cellules progressivement. Alors, si vous êtes encore élève et ou un étudiant, commencez déjà à préparer votre futur dès le bas âge pour que quand vous obtiendrez l'âge avancé, vous serez déjà capable de gérer votre vie et de devenir une très grande personne dans la société. Il faut toujours faire un bon choix et ne vous laissez pas influencer par votre entourage parce que c'est votre compétition et que vous devez la gagner.
La quatrième activité que nous devons faire pour profiter de la vie, c'est les divertissements. Vous respirez convenablement, vous mangez bien, vous avez travaillé 6 jours sur 7 de la semaine. C'est maintenant le moment pour vous de penser maintenant au loisir. Profitez votre temps maintenant, voyagez, skiez, nagez, allez même faire des heures entières parce que c'est ce que je fais aussi souvent. Faites des folies et autre chose. Ça dépend maintenant de vous. Et à la fin, nous devons maintenant recourir au repos. Vous avez bien accompli ces activités précédentes. Prenez maintenant un temps de repos pour permettre à vos cellules de se régénérer. Il est aussi harmonieux car il nous permet de faire des bons rêves parce que lorsqu'on est en bonne santé, on ne fait pas des cauchemars. Peu importe que vous soyez grand ou petit, il sait faire un choix et fait recours aux bonnes images de votre patient. Vous ne voyez pas comme c'est beau? Ok oui. Notez bien ceci. Il ne faut jamais penser au loisir lorsque vous n'avez pas bien travaillé, au sport si vous n'avez pas bien mangé, et à tout si vous n'êtes pas en bonne santé. Mais vous pouvez respirer. Et si vous connaissez d'autres activités importantes, faites-le nous savoir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la notification pour ne plus manquer mes vidéos. Et même de partager pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. À bientôt.